le shifter il est bien sur celui-là. Je le préfère au 1290 pour le coup. Petite préférence, ouais. Tu peux régler les suspensions ici, mais gros, c'est chaud. Ça c'est quoi? Ça c'est les warnings. Ah ouais, ça c'est les suspensions. Niveau automatique, pilote plus passager plus bagage. Mais frère, ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Merde. Putain, mais il y a trop de boutons, frère. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis perdu. Comment je fais pour revenir au mode d'avant? Couper les gaz. Hein? Ok. Oh là 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 là, ça marche aussi. Hein. Par contre, la bulle, c'est quand même quelque chose de pas mal. Hein. Parce que là, j'ai vraiment pas de vent au niveau des yeux. Je me lève un petit peu. Oh, je prends tout le vent frais là, c'est désagréable. Waouh, waouh, waouh. Le bruit. Oh là 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 là. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une machine de guerre. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Ça avance. Ah, ça avance bien, ouais. Avance. Ah, mets ta main là. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Eh, hey, j'ai le cul aussi, frère. Ah, le klaxon de tracteur. Ah, les poignées chauffantes. Alors, le fait d'avoir les poignées chauffantes, c'est incroyable. Mais de deux, les protège-mains, ça cache vraiment bien le froid et c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal ça. Ah, le compteur, je kiffe. Je kiffe la disposition du compteur, vraiment magnifique. Ça se file vraiment de partout. Ouais, le frein aussi. C'est vraiment un vélo. Ça se conduit vraiment, mais super bien. J'ai l'impression, en fait, c'est la moto qui suit la route. Alors, j'ai même pas besoin de la toucher. Enfin, si, je la touche, mais tu m'as compris, quoi. Ça, c'est... Hey, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement... Oh, le régulateur, c'est incroyable, incroyable. Le bruit quand t'accélères, en fait, quand tu montes dans les tours, là, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. C'est quelque chose. J'avoue que là, c'est vraiment, ah oh ouais. Oh. Ah ouais, ça ouate, hein, ça ouate, hein. Ah ouais, 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 ouais. Ah, c'est une très, 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 très bonne moto. Merci, Michel. Franchement, les gars, j'ai jamais conduit de trail de ma vie. C'est le premier que je conduis, mais je crois que je suis sur l'un des meilleurs. Franchement, magnifique, magnifique. Comme ça aussi, c'est très, très magnifique. RS6, full black. Hop. Par contre, tu vois, ça c'est un truc qui me manque, ça. L'angle de braquage, frérot. C'est incroyable, incroyable. Tu peux faire des manœuvres en 3 secondes. En 3 secondes, t'as fait demi-tour. Non, mais sans deck. Maman, pour la mettre en arrière, elle. Attends. On va mettre la béquille. On va la pousser. Ouch. C'est lourd, ça. C'est lourd, gros. Hein. Tu veux que je t'aide ou quoi? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est un bâton, le bordel. J'ai juste pas tapé elle. Ouais, je viens de prendre le roi avant sur la tête. Je peux dire que je t'assure que c'est lourd. Ah, ça y est. Bon les refs, on repasse comme à l'époque sur une 125. Oh là là, les souvenirs que j'ai. Oh, c'est petit. Attends, la béquille. Eh hey, mais il y a tellement de souvenirs. Bon allez, ils sont mous du gland. Avec le petit rétro, hein, toujours. Hein.
Oh là 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 là, mais comment je me la régalais avant. Un truc de zinzin. Bon, par contre, le freinage est quand même pas trop mal. Oh là là, oh là là. Enculé. Allez, go. Oh là là. Ah, c'est une plume. Ah, les souvenirs, toi. Aïe. Hop là. Yo les gars, bon c'est Paika. Juste pour vous dire, c'est normal que vous me voyez à un autre endroit. Yamaha Montpellier, ils n'avaient pas de MT10 à laisser. Bon là c'est une ancienne version, hein. Mais il y en avait une à Yamaha Nîmes. Du coup c'est vrai que là on se retrouve à Nîmes pour laisser de la MT10. Juste pour vous expliquer pourquoi vous me voyez du coup à Nîmes et pas à Montpellier. Donc voilà, ça change rien du tout. C'était juste pour vous dire ça. Bon visionnage, des bisous et kiffez bien. Pas mal aussi, hein. Bon, il faut que je me fasse à l'embrayage, il faut que je m'y fasse encore. Il y a le shifter ? Ouais, il y a le shifter, ouais. Gros bisous et on s'appelle. Ça y est, il commence le fou. Enfin, tous les boutons qu'il y a. Bon ben les gars, on se retrouve sur un MT10. Oh là 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 là. Franchement, je suis hyper à l'aise. Je pensais que j'allais être mal ou quoi, mais Ok, ça a bon vent. Ah, c'est quelque chose. Niveau maniabilité, ça y va tout seul. Ça y va tout seul. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Oh, le bruit. Le bruit est très très beau. Oh là 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 là, ils sont rentrés dedans. Oh là 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 là. Ah ben ça, on teste une moto pour qu'ils se rentrent dedans les autres. Oh là là. Ouais, bon, par contre, c'est pas le meilleur moment pour tester une moto. Les bouchons, super. Ouais, mais au moins ça permet de tester un peu la maniabilité. C'est pas mal. Oh, oh là là, j'ai à peine mais tourné la poignée d'un micro millimètre. Laisse tomber, gros. Bon, après, je suis en première, je suis d'accord, mais waouh, 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 waouh. Les gars, c'est insane. C'est vraiment un truc de ouf. Le crossplane, mon gars, c'est... Je crois que c'est l'un des meilleurs moteurs qui peut exister. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est puissant. Là, je suis à peine en troisième. Je mets poigné doucement, ça a poigné beaucoup. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est la meilleure moto que j'ai testée pour l'instant. Franchement, même le 1290 qui avait... Bon, lui, il avait le shifter up and down. C'est très bien. Franchement, il est super bien. Le 1290, il a un shifter un peu violent. Alors que là, il est doux, gros. Je le trouve même comme pas. Un agneau. Je le sens même pas. C'est abusé. C'est abusé. Bon, niveau freinage, je peux pas tester encore. Le freinage a l'air... Oh, elle a l'air bien, elle a l'air très très bien, elle a l'air... Ouh là là, j'ai à peine un petit peu freiné avec le bout de mon petit doigt, carrément. Faut pas oublier que j'ai les valises. Ah, c'est une bête de mouton. Et le bruit. Ok, il y a... Ouais. Je pense que ça met tout le monde d'accord. Ah, il y a le régulateur de vitesse aussi là-dessus, je vois ça. Oh, je sais pas comment on l'active, mais... Ah, il est activé. T'appuies une fois là, et... C'est incroyable. Le régulateur de vitesse. Où est-ce que je vais, là? Bernie, non, c'est pas là. Vauvert, je crois que c'est ça. Hein. Il m'a dit Vauvert, et après, hop, je vais à droite. Ouais, ça doit être ça, je pense. Elle a les fenêtres d'origine, c'est pas mal. Franchement, c'est pas trop mal. Les rétros aussi, d'origine. J'ai pas ça, moi. Avec ça, tu dépasses vraiment comme t'en as envie. Vraiment,
c'est... T'as envie de dépasser, tu froisses la poignée. Nouveau slogan. T'as envie de dépasser et tu froisses la poignée, et puis voilà. Regarde les feux sur le camion quand j'accélère. T'as vu comment il se lève? Alors que je suis en quatrième, hein, et je suis à peine à 80-90, donc pour te dire... Magnifique, magnifique, magnifique. Par contre, je crois que je me suis perdu. Je sais pas, il m'a dit tu prends à droite. Huchot, je vais à Huchot, moi, je vais à Huchot. Huchot, je sais où c'est. Ouais, j'ai pas pris la meilleure route. Mais franchement, ça va, ça reste agréable. Franchement, les petites bosses, je les sens, mais pas trop trop. Genre, je sais pas quoi. Avec le Z, tu vois, je le sens. Genre ça, tu vois, voilà, ça, typique ça. Ça, j'aurais fait comme ça, une calache. Là, ça va. Les suspensions, je trouve, elles sont plus molles. Alors peut-être que... Ok, c'est des suspensions pilotées. Elles sont bien réglées, tout simplement. Oh. Waouh, 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 ouais, mais je vole. Oh, c'est n'importe quoi, gros. Waouh, ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est... Ah, ben moi, il faut que j'aille là. Comment je fais pour reprendre ici? Je sais pas où je vais, je sais pas si je dois aller là, je sais pas. Allô? Ouais, impeccable. Ouais, je suis sur le MT là, c'est une dinguerie. Non, ça a vraiment rien à voir. Mais ouais, ça, tu sens que la moto, elle a envie d'envoyer dans le gosier, genre. Mais vas-y, je te rappelle dès que je suis là-bas, j'arrive dans même pas 5 minutes là. Allez, à tout de suite. À tout. Verdict, c'est une très très bonne moto, belle moto. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais mon choix est fait. Après voilà, va falloir trouver le nouveau bolide, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je sais pas quoi vous dire, entre ces trois motos, laquelle je préfère? J'en ai une qui est pas mal. Bon, le Mulsi Strada, une moto de tous les jours, un peu genre daily, c'est un peu compliqué. Bon, ça doit se faire, hein, mais un peu réticent, on va dire. Le 1290, oh là là, ça c'était vraiment quelque chose de pas mal, hein. C'est, ouais, je... Bref, on va pas trop en parler. Et la MT10, c'est une très belle moto. Franchement, le crossplane, j'avais jamais testé. C'est vraiment bien. Niveau maniabilité, bon, bah, encore une fois, je sors d'un Z800E de 2016 ou 2017, donc il faut pas me parler de maniabilité, frérot. C'est moi qui dois emmener la vieille mère dans les virages. Mais bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Là, j'ai rien à dire, franchement. Même avec le Mulsi Strada et la 290, c'était incroyable. Donc voilà, affaire à suivre, on verra bien. Bon, ben, merci encore, hein. Et peut-être que un jour une beauté viendra, hein. Dans ton cœur. Dans mon cœur, in my heart. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis mort. Quelle heure est-il, madame Sardine? Il est 17h38. Regarde la caméra. Ouais. Ouais, la cité. Bum 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 bum.
ça me pue. Ah bon? Ouais. Wow. Ah non, regarde, t'as le 98 ici. Anto! Ah ouais? J'ai trouvé ta future... Ma future cuisine? Ta future... Ouais, ouais, t'as vu, regarde, les poignées de fruits, comment ils sont pas mal. Bon, bah, je peux... Ouais. Oh là 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 là. C'est... Ouais, ouais. Attends, attends. Merde. J'ai mis dans le mauvais sens. Impeccable. Non, non, mais j'ai mis de l'essence déjà tout à l'heure. De toute façon, ma carte là, vu que j'ai fait l'essai chez Ducati, ils m'ont pris 1500 balles là. Ah, oui, du coup, ma carte, elle est bloquée là. Qui fait le plus de bruit? Tu peux essayer? Deux. Un coup de rupteur? Un coup de rupteur? Ouais, ouais, tiens, vas-y. C'est marrant, on va faire rupturer toutes les motos. Yes, yes. Et ça va péter! Ça le fouille! Ouais, ouais, bah ouais. Ah, c'est. Yes, avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas une copine? Ouais. Faut le. Get le. Depuis tout à l'heure, je le vois, il galère avec ses deux petits doigts là. Oh, il reste combien de batterie? 8350. De batterie? Oui. Hein? 81%. Oh, ça va. Ça va. Bon, bah écoute, ma bichette, encore merci d'être venu. Prochaine fois, c'est nous qui venons. Du gros love. Bah de toute façon il faut qu'on se tienne au courant hein. Bon bah écoute, des gros bisous. Allez, bisous les copains. C'était magnifique. Ah la soirée. Oh là 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 là. Du gros love. Qu'est-ce qu'ils font eux? En panne d'essence? Aïe. Oh là là. Maman gros. Ah oui. Ah mais c'est un mariage. Ouais. Vive les mariés. Ouais. Les gens te bof hein. Ouais, c'est Merco, c'est pas mal. Ouais, c'est chromé et tout, je suis pas mal. Ouais, ça va, ça va. Bon, je préfère quand même avoir ça qu'une 308. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben sur ce, je vous fais de très gros bisous les gars. C'était Paika, portez-vous bien. Et voilà, hein, dites-moi en commentaire. Oh là là, c'est la première fois que je le fais, je crois. Dites-moi en commentaire sur quelle moto vous me verrez. Mais vas-y, on joue le jeu. Allez, des gros bisous les gars. Des gros bisous.